avec du temps, de la patience puis les bons outils, on peut arriver à fabriquer tout de beaux manches d'outils qui vont parfaitement convenir à nos mains puis au travail qu'on veut effectuer avec l'outil. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait à partir de bio d'érable. Avoir écorcé notre bio comme il faut. Après ça, on peut procéder à l'écorissage. Le but du processus va être d'avoir une pièce de bois peut-être plus carrée ou au moins aux formes régulières pour à peu près éliminer tout ce qu'il y a de courbure dans notre morceau de bois. Ce qui va nous donner l'avantage que ça va être plus facile de se tracer quand on va être prêt à fabriquer notre manche en tant que telle. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner une série de petits coups comme ça. Le but étant juste
de se donner du loose dans le fil finalement. Quand on va avoir plusieurs coups donnés comme ça, on fait juste enlever ce qu'on a loosé. On lousse. De faire l'eau va avoir comme plus gros avantage qu'on est capable d'enlever une couche assez fine de matériel à la fois. Si on décidait par contre d'y aller avec un peu plus de force, ce qu'on peut faire, une autre technique qui va permettre d'enlever beaucoup plus de matériel plus rapidement, c'est qu'on va faire une série d'encoches comme ça. Suivant une certaine ligne. Puis ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va littéralement enlever et faire sauter un morceau de bois en désencochant. Et après ça, on peut juste reprendre une petite coupe rapidement pour égaliser. Il ne faut pas trop être pressé. Beaucoup plus rapide dans ce domaine-là de prendre son temps puis de faire un travail lisse puis propre puis de ne pas avoir à recommencer ou de corriger nos défauts toujours. C'est plus facile de le faire comme il faut tout d'un coup, prendre notre temps puis être plus rapide, plus efficace. On peut aussi recouper pour enlever des imperfections comme des nœuds. Des fois, il y a des manques dans le bois aussi qu'on va vouloir éliminer. Pour éviter de les avoir dans notre manche. Qu'est-ce qu'on va faire comme ici, de ce côté-ci? J'ai un gros nœud, j'ai une fente qui va se taper du cœur. Puis celle-là, je veux pas avoir ce nœud-là dans ma pièce de bois parce que ça va affaiblir de beaucoup mon manche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouper avec mon Saint-Joseph pour l'enlever. Le processus d'écorissage est terminé. Bon, ce qu'on peut faire, on peut égaliser un peu la surface avec ce qu'on appelle une plane. Et simplement une lame qui va nous servir, qui va être très droite, qui va être droite, pardon, puis qui va nous amener une surface qui est moins cambrée, qui va permettre aussi de la ramener, un peu comme on va le faire plus tard avec un rameau. Une fois le travail est fait avec la plane, moi j'aime bien passer un coup de rabot, qui est un rabot Stanley numéro 4, pour finir d'adoucir ma surface, d'enlever les derniers coups de hache. Ça peut sembler niaiseux, mais des fois les coups peuvent créer des amorces de fissures. En séchant, le bois va se fendre plus facilement. Fait que moi j'adoucis toujours mes surfaces pour éviter ça. Puis en même temps, ben, encore une fois, ça va être plus facile à tracer quand le bois va être sec puis on va être prêt à faire le manche. Ça va déjà être tout notre partie 1. Mon rabotage est maintenant complété. Donc, je vais mettre mes pièces de bois à sécher. Ça va durer environ. Pour moi, ils sont à l'intérieur, en avant d'un poêle à bois qui chauffe pas mal tout le temps. Donc, je vais le laisser sécher environ un mois et demi avant de commencer à travailler vraiment après. Parce que c'est dans ce moment-là qu'il va perdre, dans le fond, l'eau qu'il y a à l'intérieur. Mais surtout, s'il y a affaire à se fendre, en séchant, ben c'est là qu'il va le faire durant sa grosse période de séchage. Fait que je le fais avant même de tracer parce que sinon ça peut arriver que je cancelle une pièce de bois ou que je vais ajuster le modèle de mon manche en fonction de ces craques-là pour pas qu'il se retrouve dans le manche. Donc là c'est ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Fait qu'on se retrouve au moment de fabriquer un manche. Merci. Si vous avez aimé la partie 1, vous avez hâte de voir le 2, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner.
pour pouvoir continuer à voir nos vidéos.